Bon après-midi tout le monde, bon appétit si vous êtes à table. Il est exactement 1 h ici à Kitchener en Ontario. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette formation en ligne destinée à nos partenaires en refuge où nous allons parler de l'importance de la nutrition du chien et du chat dans des structures comme la vôtre. Et je sais qu'en refuge, on est souvent confronté à un grand nombre de challenges. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'on parle souvent des problèmes liés aux maladies infectieuses, il y a des problèmes liés au stress, tous les problèmes qui entourent l'adoption, etc. Mais aujourd'hui, et la nutrition est juste une partie de ce puzzle. Mais aujourd'hui, le but de cette formation est vraiment de vous expliquer comment vous, à votre niveau, dans vos structures, vous pouvez bien utiliser la nutrition pour justement vous aider au quotidien et optimiser la santé de vos animaux au quotidien. Donc sans plus attendre, plongeons-nous dans ce sujet on ne peut plus passionnant. Et pour commencer, j'aimerais partager avec vous un conseil qui m'a été donné il y a quelques années de ça. J'étais alors un jeune vétérinaire qui commençait tout juste sa carrière professionnelle et mon ancien chef à l'école vétérinaire d'Alfort à Paris m'avait dit, tu sais, quand tu es intéressé sur un sujet, quand quelque chose t'intéresse vraiment, il y a un conseil important à donner, c'est lire. Lis autant que tu peux, lis une multitude de sources différentes pour justement se forger une idée et obtenir un maximum d'informations pour justement pouvoir partager des informations concrètes et des astuces concrètes aux personnes à qui, tu discuteras avec qui tu discuteras par la suite. Et ça, c'est une maxime, entre guillemets, que j'ai toujours suivi depuis que j'étais à l'école vétérinaire et que j'applique à chaque fois que je m'intéresse à un nouveau sujet. Et clairement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à m'intéresser à la médecine en refuge. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine très, très particulier de la médecine vétérinaire, j'ai commencé par lire ce livre que vous voyez à l'écran. « Shelter Medicine for Veterinarians and Staff », c'est certainement aujourd'hui un des ouvrages de référence sur la médecine de refuge. Il est régulièrement mis à jour. Vous voyez ici, c'est la deuxième édition et j'attends avec impatience la troisième. Mais ça a vraiment été un ouvrage qui m'a appris les bases de la médecine en refuge et des choses sur lesquelles il fallait se concentrer dans la gestion de ces collectivités si spéciales. Et pendant que je lisais ce livre, pendant la lecture, je suis tombé sur cette phrase. Alors là, je vous l'ai traduit de l'anglais en français, mais globalement, ça disait « En refuge, fournir une alimentation de qualité apparaît comme essentielle. Celle-ci permettra bien évidemment de maintenir les animaux en bonne santé, mais est également un outil thérapeutique aux vertus bien souvent sous-estimées. » Donc, réfléchissons un petit peu sur cette phrase. Moi, la première fois que je l'ai vue, je vous avoue, je me suis gratté la tête et je me suis dit « Ah, intéressant, il y a deux parties dans cette phrase qui vraiment me parlaient. » La première, c'était celle-ci, là où on parle du côté sous-estimé de la nutrition. Et là, je dois bien avouer que je prêche coupable. Quand j'étais jeune étudiant vétérinaire, même jeune vétérinaire au tout début de ma carrière, je dois bien avouer que je sous-estimais certainement le pouvoir de la nutrition et comment on pouvait utiliser cet outil. Je me suis toujours dit, donnez-moi un bon aliment, un aliment de qualité et ça fera l'affaire. Avec ça, j'arriverai à contrôler le paramètre nutrition et du coup à résoudre les problèmes, à utiliser la nutrition pour résoudre les problèmes. Ce sera un paramètre facile à contrôler. Plus tard dans ma carrière, j'allais apprendre que malheureusement, ce n'était pas suffisant. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Et l'autre partie où c'est vraiment intéressant, où on peut avoir vraiment une discussion intéressante, c'est sur ces deux petits mots. De qualité. Alimentation de qualité. Alors, j'assiste souvent à des présentations vétérinaires, dans des conférences, etc. Et je suis toujours un peu, enfin pas surpris, je ne devrais pas dire ça, mais dans ces conférences, souvent, il y a des références à la nutrition. Et la référence est, pour combattre cette maladie, une nutrition de qualité, une alimentation de qualité est nécessaire. Pour résoudre ce type de problème, il faut toujours également avoir associé une alimentation de qualité. Et en fait, je pense que souvent, ce terme de qualité, en fait, n'est pas vraiment expliqué plus en détail. Et quand je préparais cette présentation, je vous avoue, je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire alimentation de qualité? Je pense que si je vous le demandais à tous sur le chat de me répondre à cette question aujourd'hui, j'aurais certainement plein de variantes dans vos réponses. Chacun, on a notre propre définition de qu'est-ce qu'est une alimentation de qualité. Et du coup, quand on se penche sur ce qui se passe en refuge,
on pourrait clairement se poser la question, qu'est-ce que c'est une alimentation de qualité pour nos chiens et nos chats qui sont hébergés dans ces structures? Qu'est-ce que c'est une alimentation de qualité pour le personnel, pour les volontaires au sein d'un refuge? Donc, c'est deux aspects qui sont importants à aborder. Et le but de la formation d'aujourd'hui est vraiment d'essayer de clarifier qu'est-ce que c'est cette alimentation de qualité. Et à travers les slides que je vais vous présenter cet après-midi, on va également essayer de partager avec vous des astuces toutes simples que vous pouvez mettre en place dans vos structures pour optimiser l'utilisation de cette nutrition et ainsi permettre également d'optimiser la santé de ces chiens et de ces chats que vous avez en charge dans vos structures. Et pour commencer, je pense qu'il est bien important de comprendre que la nutrition, en fait, c'est quelque chose qui a deux facettes. Je vous l'ai dit, quand j'étais jeune étudiant vétérinaire, j'ai toujours cru que qu'une alimentation de qualité, eh ben, c'était un bon aliment. On me donnait un bon produit et ça ferait l'affaire et ça me permettrait de contrôler le facteur nutrition. Et aujourd'hui, comme je le disais juste avant, je pense qu'on a tous une définition différente de ce qui est un aliment de qualité. On est entouré de mots très à la mode hein, quand on parle de nutrition, et je ne vous les citerai pas, mais on les entend régulièrement. Il y a beaucoup d'effets mode, de tendance dans ce domaine-là, en particulier sur la nutrition du chien et du chat. Mon conseil ici, quand vous cherchez un aliment de qualité pour vos chiens et chats, pensez en premier nutriments. Pourquoi nutriments? Parce que, en fait, on sait que les nutriments, ce sont les sous-parties en fait, des ingrédients qu'on a qui composent l'aliment. Et en fait, ces nutriments, c'est ce que l'organisme va pouvoir utiliser. Ce sont les protéines, c'est la matière grasse, ce sont les vitamines, ce sont les glucides, etc. C'est ça, les nutriments. Mais aujourd'hui, souvent, les gens, quand je parle avec eux dans la rue, ils me parlent toujours d'ingrédients. Ah, ben, quel ingrédient il y a dans cet aliment, etc. Un de mes collègues me disait, il y a quelque temps de ça, aujourd'hui, on peut dire, en étant assez précis, quelle quantité de protéines on devrait donner à un chien ou à un chat par jour. Ça, aujourd'hui, on peut le chiffrer, on peut le donner parce qu'on a une connaissance de plus en plus approfondie dans ce domaine et on comprend de mieux en mieux la nutrition du chien et du chat. Par contre, je serais incapable de dire combien de poulets il faut donner à un chat ou à un chien par jour, tout simplement parce que ça dépend de la qualité du poulet, etc. Donc, pensez nutriments parce que les nutriments, c'est ce que l'organisme va utiliser. Et aujourd'hui, les aliments qui sont distribués à nos chiens et nos chats sont des cocktails de nutriments. Et c'est vraiment les nutriments sur lesquels il faut se focaliser. C'est pour ça que moi, je dois bien vous avouer, je ne regarde jamais les ingrédients. Ce que je veux, c'est une réponse nutritionnelle. Et cette réponse nutritionnelle, elle est constituée par les nutriments. Alors sûr, il faut des ingrédients de qualité pour arriver à ce cocktail nutritionnel. Mais ce qui compte, ce n'est pas la recette de départ, c'est le cocktail nutritionnel que vous avez, puisque c'est ça qui aura des répercussions positives sur vos chiens et vos chats. Donc pensez toujours à quelque chose qui aura des effets cliniques visibles sur vos chiens et vos chats, pas à quelque chose qui vous plaira à vous, mais à quelque chose qui aura des effets cliniques visibles. Une bonne alimentation, ça conduira à des animaux en bonne santé, avec un beau pelage, avec un niveau d'activité et un dynamisme certain. Pensez vraiment à ça en premier, c'est vraiment ce qui prime le plus, les nutriments avant les ingrédients. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais discuter également, la deuxième facette de l'alimentation, de la nutrition en général, bah c'est l'utilisation qu'on va en faire. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, une des choses à considérer également, c'est qu'est-ce que c'est une alimentation de qualité pour le personnel du refuge, pour les personnes qui vont distribuer cet aliment. Parce que je peux vous donner le meilleur aliment possible, si vous ne l'utilisez pas correctement, si vous en donnez trop, si vous n'en donnez pas assez, vous ne verrez pas les effets cliniques positifs sur les chiens et les chats. Donc il est vraiment important de bien garder ça à l'esprit. L'alimentation doit toujours être considérée dans son intégralité. C'est certes le produit de qualité, il vous faut un produit de qualité au départ, et on va discuter des paramètres importants sur lesquels vous devez vous concentrer en refuge aujourd'hui. Mais en plus de ça, vous devez également l'utiliser correctement. Et c'est pour ça que cet après-midi, à travers cette présentation, je vais vous présenter trois situations qu'on rencontre sur le terrain où justement la nutrition va pouvoir être utilisée pour optimiser la santé des animaux. Et encore une fois, je vais vous partager des astuces et également des points sur lesquels il est important de s'attarder quand on essaye de définir quelle est la meilleure nutrition à donner à nos chiens et à nos chats dans nos structures en refuge.
Alors, dans mon travail, je suis assez chanceux parce que je dois avouer que j'ai l'opportunité d'être sur la route avec nos représentants et de visiter des structures comme les vôtres, de discuter avec les volontaires, de discuter avec les personnes du staff qui travaillent au quotidien dans les refuges, qui sont confrontés au quotidien aux challenges que ces organisations ont. Et du coup, on discute de comment on utilise l'alimentation, quels sont les challenges que vous rencontrez, etc. Et il y a une des questions en particulier que j'aime beaucoup et qui revient assez régulièrement, c'est quel aliment devrait-on avoir dans notre refuge? Quel aliment nous conseillez-vous d'avoir dans notre refuge? Donc, aujourd'hui, c'est une question pas forcément simple à répondre. Mais justement, on va expliquer un petit peu pourquoi par la suite. Et la première chose qui est importante à mon sens, c'est ce que j'appelle le principe de constance. Alors, constance, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, souvent en refuge, et ça vous pourrez le confirmer avec moi, souvent en refuge, on va utiliser des donations, etc. Les donations font partie intégrante de la façon dont fonctionne le refuge. Et les donations sont importantes et je comprends tout à fait qu'on ait besoin d'elles aujourd'hui pour faire fonctionner ces structures parce que ben, c'est pas simple tous les jours. Je ne vous apprends rien là-dessus. Par contre, très souvent, je suis un accro des réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook, je vois des posts passer où c'est mentionné, ah ben, le refuge a besoin d'aliments, s'il vous plaît, faites des donations en aliments, etc., etc. Donc, ok, je comprends l'importance des donations, encore une fois. Ça veut pas, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas qu'il ne faut pas de donations, mais par contre, faites attention, notamment pour tout ce qui concerne les donations au niveau aliments. Parce que souvent, quand vous allez faire un appel à des donations pour les aliments, vous allez vous retrouver avec des aliments d'origine différente, des marques différentes, des produits différents. Et on sait que nos chiens et nos chats, d'un point de vue nutritionnel, ils n'aiment pas beaucoup les changements trop rapides, etc. Très souvent, quand on les change d'un aliment à l'autre en permanence, eh ben, on a un risque accru de voir se développer des problèmes gastro-intestinaux, des diarrhées, des vomissements, ce qui au final, bien évidemment, va avoir des répercussions sur vos frais vétérinaires à la fin du mois. Parce que plus vous avez de situations cliniques, plus vos frais vétérinaires vont être élevés éventuellement. Donc, encore une fois, je comprends l'importance des donations, mais je sais que certains refuges, par exemple, ont développé certaines stratégies. Par exemple, ils disent, ben, on utilise tel aliment, on a choisi tel aliment pour nos chiens et nos chats dans notre structure. Si vous voulez faire des donations d'aliments, s'il vous plaît, donnez ce type d'aliment, c'est ça dont on a besoin. Et c'est là où c'est vraiment important, parce que quand vous avez choisi l'aliment que vous voulez utiliser, l'aliment qui convient bien pour votre refuge en particulier, je pense qu'il est important d'essayer de rester sur cet aliment, en tout cas pour les animaux pendant qu'ils sont là. Je lisais sur un site internet assez renommé en médecine des refuges, où justement une personne de refuge témoignait, c'était un refuge aux États-Unis, où elle expliquait que bah, comme leur politique d'alimentation était principalement basée sur les donations, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils recevaient des sacs de plusieurs marques différentes et qu'ils mélangeaient en fait tous ces aliments ensemble et qu'ils distribuaient ça aux chiens, aux chats, en croisant les doigts, en espérant qu'ils n'allaient pas développer de problèmes digestifs pour le coup. Donc ça, si vous restez constant dans le type d'aliments que vous utilisez, vous arriverez à le combattre. Mais encore une fois, ça peut sembler un investissement plus important au départ, mais si au final ça arrive à diminuer l'incidence des problèmes gastro-intestinaux et du coup diminuer vos frais vétérinaires, c'est quelque chose à considérer qui fait vraiment une différence en refuge. L'autre chose à faire, à laquelle il faut penser, c'est que l'alimentation aujourd'hui, elle doit vraiment être adaptée à votre population particulière que vous avez dans votre refuge. Et là, alors, je sais que parfois, certains de nos clients me disent, hein, quand ils vont dans un magasin spécialisé, quand ils vont chez leur vétérinaire, ils sont parfois un peu surpris, un peu confus de voir le nombre d'aliments différents disponibles et ils se disent, mais du coup, on a tellement de choix qu'on ne sait plus quoi choisir et ils sont un peu confus par rapport à ça. Mais en fait, ce qui est important à retenir, c'est que si on a tellement d'aliments disponibles, c'est surtout parce qu'on a une connaissance de plus en plus accrue, une connaissance de plus en plus précise des besoins nutritionnels du chien et du chat. On connaît de mieux en mieux leurs besoins nutritionnels spécifiques pour différentes conditions, en fonction de leur âge, en fonction de leur taille, en fonction des maladies auxquelles ils sont confrontés, etc. Donc ce nombre important d'aliments est juste le reflet d'une connaissance de plus en plus précise en termes de nutrition. Alors bien évidemment, c'est clair qu'on va de plus en plus vers de la nutrition individualisée pour nos chiens et nos chats, ce qui n'est pas forcément compatible avec votre logique
en refuge où vous devez nourrir une population et très souvent, vous devrez faire un compromis. Vous n'arriverez pas à avoir un aliment pour chaque animal, un aliment spécifique pour chaque animal. Bien évidemment, d'un point de vue économique, c'est souvent totalement impossible. Donc, c'est toujours sur la population qu'il faut se baser et surtout sur votre population spécifique pour décider quels aliments vous devriez avoir au sein de votre structure. Et là, on va faire un petit jeu avec vous. Donc, vous allez me dire sur le chat qu'est-ce que vous en pensez. Alors, je vous explique. Quand moi, j'étais jeune étudiant vétérinaire, j'ai toujours cru que la population de chiens et de chats en refuge, globalement, on aurait des animaux plutôt jeunes, entre 2-3 ans, qu'on trouverait essentiellement des animaux en état de sous-poids, pas un peu très, plutôt maigres parce qu'ils avaient été mal nourris avant d'arriver en refuge. Et c'était comme ça que je l'imaginais. C'était ma population type d'un refuge, c'était des jeunes animaux plutôt maigres. Est-ce que, dites-moi sur le chat, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que j'avais raison de croire ça ou est-ce que j'avais complètement tort? Est-ce que je me trompais complètement? Dites-moi sur le chat. Alors, d'après vous, est-ce que j'avais raison de penser que c'était la population type d'un refuge? Parce qu'en refuge, on voit que des animaux jeunes, plutôt maigres. Alors, quelqu'un me dit ici, non, on reçoit souvent des animaux en surpoids. Une autre réponse, on me dit, ah, on reçoit aussi des animaux souvent très jeunes, des seniors, on voit de tout aujourd'hui. Avant peut-être, mais ça a changé. Alors intéressant, donc vous voyez, c'est là où effectivement, hein, je vous l'ai dit, quand on est jeune, on fait souvent des erreurs, je ne vous apprends rien, mais effectivement, et c'est quelque chose dont j'ai pu me rendre compte en visitant vos structures à travers le Canada, on voit de tout aujourd'hui. Certains refuges ont des seniors, certains refuges ont des jeunes chats, certains refuges ont des animaux plutôt âgés, certains refuges ont essentiellement des chiens. Donc, ça varie énormément. Chaque refuge est différent et en fait, chaque refuge est souvent le reflet de la communauté qui l'entoure. Et votre population dans votre refuge va varier souvent en fonction, encore une fois, des gens et de la communauté qui entoure ce refuge. Et c'est là où c'est important de bien connaître votre population type dans votre refuge. Parce qu'en fonction de votre population type, vous pourrez définir quels aliments vous devriez avoir dans vos structures. Pensez taille. Alors, la taille de l'animal, on sait que ça va influencer sa capacité à digérer, etc. Alors, chez le chat, c'est plutôt simple parce que chez le chat, la taille est plutôt homogène. Alors, vous pouvez voir parfois arriver des chats de grande race, on va dire, tout ce qui est Maine Coon ou Savannah, ce sont des chats maus costauds, hein, beaucoup plus gros que le chat normal, on va dire. Mais la population féline est quand même assez homogène dans sa taille, ce qui, du coup, rend les choses beaucoup plus simples puisqu'on peut avoir un aliment, entre guillemets, qui conviendra à la majorité des tailles de chats. Par contre, quand on touche au chien, alors là, c'est complètement différent. Vous savez certainement que chez le chien, l'espèce canine, en fait, est l'espèce où on a les plus grandes variations de taille dans ces individus. On passe du chihuahua d'1,5 kg au mastif anglais de 120 kilos. Donc énormément de variations dans le poids. Et on sait que ces variations de taille vont influencer également leur capacité à digérer. Par exemple, les petits chiens ont plutôt tendance à être sujets à des problèmes de constipation. Alors que les chiens de grande taille, les chiens de plus de 25 kilos à l'âge adulte, eux sont plutôt prédisposés à avoir des selles molles et de la diarrhée. Donc aujourd'hui, si on a des aliments qui se concentrent sur la taille de l'animal, qui sont en fait dédiés à des tailles spécifiques, c'est pour répondre à ces spécificités. Et là encore, si vous connaissez la population de votre refuge, si par exemple vous êtes un refuge en périphérie d'une grande ville ou dans une grande ville comme Montréal ou Toronto, bah, très souvent dans ces refuges-là, on a plutôt beaucoup de petits chiens. Et pour le coup, si votre population est essentiellement composée de petits chiens, peut-être qu'il sera plus intéressant pour vous d'avoir un aliment dirigé, enfin spécialisé pour ces petits chiens. Alors qu'au contraire, si vous êtes dans un milieu plutôt rural où vous avez plutôt des chiens de grande taille, pour les chiens, il sera peut-être plus intéressant pour le coup d'avoir un aliment spécifique pour eux. Parce que là, encore une fois, plus vous avez un aliment spécifique pour ces animaux, mieux c'est pour leur santé et mieux leur digestion se fera bien et moins de problèmes vétérinaires vous aurez au final.
Donc, vous voyez, le facteur taille est quelque chose à considérer quand vous travaillez en fait sur la population type de votre refuge. Il faut également penser à leur stade de vie. Alors, je vous ai dit, moi, je pensais que quand j'étais jeune, que tous les chiens et tous les chats qu'on trouvait en refuge avaient entre 2 et 3 ans et que c'était des jeunes adultes. Totalement faux. Aujourd'hui, on voit de tout. En ce moment, corrigez-moi si je me trompe, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le mois de l'adoption des animaux seniors. Donc, on voit aujourd'hui des chiens âgés, on voit aujourd'hui des chats âgés. Et ces chiens et ces chats âgés, là encore, on sait aujourd'hui qu'ils ont des besoins nutritionnels spécifiques. Si votre population contient essentiellement, est composée essentiellement de seniors, peut-être que ce sont des options nutritionnelles sur lesquelles il faudra se concentrer, puisqu'encore une fois, c'est ce qui est le mieux adapté pour optimiser leur santé. Mais on n'a pas que des individus adultes, on peut également avoir des nouveau-nés. Alors, on en avait discuté dans un précédent webinar sur la gestion des chiots et des chatons nouveau-nés en refuge. Mais alors, si les chiots nouveau-nés, ce n'est pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça maintenant en refuge, on en voit de temps en temps, hein, je ne dis pas qu'on n'en voit pas, ce qu'on voit surtout beaucoup, ce sont les chatons nouveau-nés. Et ça, en particulier à certaines périodes de l'année que vous appelez souvent la saison du chaton, vous allez voir arriver une grande quantité de portées de chatons, parfois des nouveau-nés, et ceux-là, vous savez, ils vont très souvent, ils vont nécessiter un gros investissement en termes de temps, parce que c'est beaucoup de temps pour s'en occuper, etc. Et une partie essentielle, bien évidemment, surtout s'ils arrivent sans leur mère, s'ils sont des chatons orphelins ou des chiots orphelins, bah, il va falloir les nourrir, il va falloir les biberonner. Et là, par exemple, si vous savez qu'à une période de l'année, vous allez avoir un pic de chatons nouveau-nés, etc., toujours important de prévoir le coup et d'avoir à votre disposition des aliments spécifiques, des aliments type croissance pour ce type d'individu. Un aliment essentiel à avoir, je pense, dans ce type de condition, c'est du lait maternisé. Quand je parle avec des gens, souvent on me dit « Ah ben oui, mais du lait maternisé, ben, si on n'en a pas, on peut utiliser du lait maternisé pour bébé humain, on peut utiliser du lait de vache, voire du lait de chèvre. » Sachez que pour chiots et chatons, ce ne seront jamais des alternatives à considérer, ce ne seront jamais des alternatives appropriées. Et pensez-y, ces grands animaux, que ce soit l'humain ou les veaux ou les agneaux, leur croissance est beaucoup plus longue que ce qu'on trouve chez les chiots. Certains chiots vont atteindre leur taille adulte à 8 mois. Un chihuahua, à 8 mois, il a atteint sa taille adulte. La plupart des chatons atteindront leur taille adulte à 12 mois. Donc, ils grandissent très, très vite. Et le lait maternisé des carnivores domestiques, des chiots et des chiennes et des chattes, est très, très riche en énergie, beaucoup plus riche que ce que vous trouverez dans les autres espèces animales. Donc, pour le coup, c'est très important d'avoir à disposition des laits maternisés dédiés à ces stades spécifiques. Donc, pensez-y, si vous savez qu'à une période de l'année, bah, vous avez ces pics de chatons, etc., qui arrivent, ayez sous la main ces produits parce que vous en aurez clairement besoin. Et un autre stade critique de la vie des animaux, c'est cette période qu'on appelle du sevrage, quand les animaux vont passer du lait de leur mère à l'alimentation solide. Alors là, il faut savoir que la période du sevrage est une des périodes où on trouve le plus souvent des diarrhées chez nos chiots et nos chatons. On parle même de diarrhée de sevrage, un syndrome diarrhée de sevrage. Donc, une des raisons pour ça, c'est parce que cette transition du lait de la mère ou du lait maternisé à l'aliment solide va s'accompagner de modifications anatomiques. On a une augmentation du volume de l'estomac, une augmentation de la surface de l'intestin et donc de la capacité à digérer, des modifications des enzymes, ces protéines qui permettent la digestion des nutriments. Donc, toutes ces modifications ensemble font que le sevrage doit se faire de façon progressive et lente. Une des erreurs que je vois souvent, notamment chez les chatons, les gens me disent « Ah ben, les chatons, on va tout de suite leur donner un aliment solide ou ils vont se mettre progressivement à manger l'aliment solide de la mère. » Mais, alors parfois, ça peut fonctionner, mais parfois, ben, le chaton, il commence à manger un aliment solide alors qu'il n'a pas la capacité à le digérer correctement. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Il développe une diarrhée. Et en refuge, on sait que ça peut avoir des conséquences assez problématiques pour la santé de ces individus, surtout sur ces jeunes individus. Alors, là encore, aujourd'hui, il existe des aliments dédiés au sevrage nutritionnel des chiots et chatons. Si vous avez des chiots et des chatons, si vous savez qu'à un moment de l'année, vous aurez un pic de chiots et chatons dans cette phase-là, ayez ces aliments sous la main parce qu'ils vous feront une vraie différence. Et encore une fois, sur le long terme,
ça vous entraînera une diminution de vos frais vétérinaires en optimisant la santé de vos animaux. Et en refuge, je sais qu'une des choses que vous combattez tous, c'est la surpopulation animale. Et c'est important, vous organisez souvent des campagnes de stérilisation et celle-ci joue un rôle vraiment important pour justement contrôler ce problème puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a de plus en plus de chiens et de chats errants sans propriétaire et ça peut poser des problèmes pour les animaux et également pour la santé humaine parfois. Et du coup, c'est pour ça que ces programmes sont super, il faut les maintenir et vous jouez vraiment un rôle important dans ce domaine. Par contre, gardez une chose à l'esprit. Quand on va stériliser un chien, quand on va stériliser un chat, quand on va retirer donc les hormones sexuelles, automatiquement, on va avoir un impact sur la nutrition de ces animaux, en fait, des modifications des besoins alimentaires de ces animaux. Un chien ou un chat stérilisé va voir ses besoins énergétiques quotidiens diminuer de 20 à 30%. Donc, vous comprenez pour le coup que si aucune mesure particulière n'est prise, et ben du coup, l'animal, il va consommer un surplus d'énergie, en quelque sorte, chaque jour, et ce surplus d'énergie, au quotidien, il va entraîner une accumulation de matière grasse, et cette accumulation de matière grasse au quotidien va entraîner la survenue d'obésité. Obésité qui aujourd'hui est la maladie la plus problématique presque en médecine vétérinaire. On parle partout de menace numéro un sur le chien et le chat en termes de quand on parle d'obésité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévenir par tous les moyens. Pour compliquer les choses encore plus, souvent quand vous stérilisez vos chiens et vos chats, les mécanismes qui influencent la satiété vont être modifiés et cette stérilisation entraîne une augmentation de la consommation d'aliments chez ces chiens et ces chats. Donc ils consomment plus, ils ont des besoins énergétiques réduits, vous comprenez pourquoi ils sont prédisposés à l'obésité. Alors, dans le passé, quand j'étais à l'école vétérinaire d'Alfort il y a quelques années, qu'on faisait régulièrement ce type de consultation, on en avait une vingtaine par jour, et une des choses qu'on disait aux propriétaires, diminuez la ration de votre animal de 20 à 30% après la stérilisation. Et il y avait toujours une cliente avec un petit chien, un petit chihuahua ou un petit Yorkshire, qui nous disait, mais vous vous rendez compte, si je diminue de 20 à 30% les quantités d'aliments que je donne à mes animaux, ils n'auront plus rien à manger. Ah oui, effectivement, ça peut être un problème, aucun doute là-dessus. Donc, parce que bien évidemment, les animaux ont moins à manger, du coup, ils vont se mettre à quémander, ils vont essayer de se mettre à voler les aliments, ils peuvent devenir anxieux à cause de cette faim qui les tiraille. Donc, ça peut poser certains problèmes. Et il y a quelques années, on a eu une solution fantastique qui s'est proposée à nous, c'est ces aliments pour animaux stérilisés. Donc aujourd'hui, vous avez des aliments dédiés aux animaux stérilisés qui vont leur apporter moins d'énergie au quotidien, mais qui vont toujours leur donner ce sentiment de satiété. Ils auront l'impression d'avoir l'estomac bien rempli et ils n'auront plus tendance à quémander, à avoir faim et à voler, etc. Donc, vraiment un changement super positif. Et je pense qu'en refuge, il est bien important pour vous de garder ça à l'esprit parce que c'est non seulement important pour votre population, si vous avez des animaux stérilisés qui restent un certain temps dans votre refuge, il est bien important de prendre en considération ces besoins nutritionnels spécifiques quand vous allez choisir vos aliments, mais il est également important pour vous d'éduquer les nouveaux propriétaires à ce sujet. Gardez bien à l'esprit que beaucoup de nouveaux propriétaires ne savent pas ces choses-là. Ils n'ont aucune idée que les chiots et les chiens et les chats stérilisés vont avoir des modifications de leurs besoins nutritionnels. Et vous avez un rôle important à jouer parce que c'est en éduquant ces propriétaires, en les dirigeant vers les bons aliments, vers les bonnes pratiques alimentaires pour leurs chiens et leurs chats stérilisés, que vous arriverez à combattre ce problème lié au surpoids et à l'obésité dans les espèces canines et félines. Donc, important, autre point à penser, quand on essaie de définir la population type de son refuge, pensez au nombre d'animaux stérilisés que vous avez et adaptez donc du coup les aliments que vous avez en refuge en fonction de cette population également. Alors, à ce point de la présentation, nous allons jouer un petit peu. Donc, je vous avais dit, ça allait être interactif et rigolo. Donc, hop, vous voyez vous s'afficher en ce moment sur vos écrans une question qui vous demande en fait, en termes de nutrition, quel est le problème que vous rencontrez le plus souvent dans vos refuges. Donc, est-ce que vous rencontrez surtout des animaux qui ne mangent pas, des animaux qui mangent trop, des animaux avec des problèmes digestifs, des animaux qui perdent du poids malgré que vous ayez l'impression qu'ils mangent correctement. Donc,
Répondez à la question et dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi quels sont les problèmes que vous rencontrez principalement en termes de nutrition avec vos animaux dans vos refuges. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Ah, je vois le nombre de réponses qui augmente. Allez-y, je vous laisse un peu de temps. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse parfaite, chaque refuge est différent. Hier, nous avons fait ce webinaire pour les provinces anglophones et les réponses variaient énormément d'un refuge à l'autre et d'un webinaire à l'autre. Alors, je vais vous afficher les résultats pour vous voyez un petit peu. Vous pouvez continuer à voter si vous ne les voyez pas. Alors, intéressant. Donc, beaucoup d'entre vous voient des animaux qui ne mangent pas. Alors, certains voient des animaux qui mangent trop. Certains voient des animaux avec des problèmes digestifs. Donc, alors vous voyez, ces quatre réponses que je vous ai mises, sachez qu'on retrouve les quatre possibilités en refuge. Donc, vous comprenez qu'en fait, alors on va surtout s'attarder sur ces animaux qui ne mangent pas et ces animaux avec des problèmes digestifs dans un premier temps, mais pour cela, il y a des caractéristiques de l'aliment qu'il faudra rechercher pour combattre ces problèmes, justement. Donc, retournons maintenant à la présentation. Hop. Donc, une des choses sur laquelle vous devez vous concentrer, en premier sur l'aliment, c'est l'appétence. Alors, vous avez compris, hein, certains animaux, la plupart d'entre vous nous ont dit que vous avez beaucoup d'animaux qui ne mangent pas. Et du coup, vous devez être sûr que l'aliment que vous utilisez est appétant, que l'aliment que vous utilisez va plaire à vos chiens et vos chats. Comme je dis toujours, on peut vous donner le meilleur aliment possible. Bah, si les chiens et les chats ne le mangent pas, même si c'est le meilleur aliment d'un point de vue composition nutritionnelle, malheureusement, ça ne va pas aider beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se concentrer. Et c'est un problème important chez les chats en particulier. Donc, cette étude qui a été faite en 2012 vous montre en fait qu'un jour après leur arrivée au refuge, on a presque 76% des chats qui ne mangent pas ou mangent pas correctement, ne mangent pas ce qu'ils devraient manger. Et une semaine après, on a presque encore 50% de ces chats qui présentent ce problème. Alors, ça, c'est important. Et on va faire un petit parallèle tout de suite, mais je pense que quand vous faites vos rondes au sein des refuges, quand vous regardez les différents animaux au quotidien pour voir si tout va bien, etc., une des choses qu'il faut inclure dans ces rondes, c'est clairement vérifier leur comportement alimentaire. Pourquoi ? Parce que très souvent, en fait, ces modifications du comportement alimentaire vont précéder beaucoup d'autres signes cliniques. Je vous donne un exemple. Pour les maladies respiratoires félines. Alors, maladie respiratoire féline, c'est une grande dominante en refuge et il y a plein de facteurs qui peuvent causer ce problème. Mais ce n'est pas forcément lié à la nutrition. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on a des chats qui ne mangent pas, en quelque sorte, ils deviennent plus fragiles et ils ont plus tendance par la suite à développer ce type de maladie respiratoire. En fait, le fait qu'ils ne mangent pas va agir comme un facteur prédisposant à les voir développer ce type de maladie. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un aliment dès le départ qui soit appétant, parce que plus l'aliment est appétant, plus les chats et les chiens aiment cet aliment, moins ils seront fragiles et plus ils seront, entre guillemets, prêts à protéger contre ces risques de maladies infectieuses, parce que tout simplement, leur système, leur organisme sera plus fort et plus résistant. Et en termes d'appétence, il y a plusieurs choses qui influencent l'appétence d'un aliment. Donc, souvent, quand je parle aux gens dans la rue, ils me disent tous « Oui, mais si le chien, le chat, il n'aime pas cet aliment, c'est simplement parce qu'il n'aime pas le goût, parce que les ingrédients qu'il y a dedans, ça ne lui plaît pas, c'est comme l'être humain. Nous, si on n'aime pas le goût de ce truc-là, bah, c'est pour ça qu'on n'aime pas cet aliment. » Mais chien et chat fonctionnent de façon totalement différente. Chien et chat, ce qui va principalement les pousser à manger un aliment, ce n'est pas le goût, c'est l'odeur de cet aliment. Donc, c'est pour ça que souvent, parfois, les gens me disent « Quand on a des chats qui ont des maladies respiratoires, bah, ils ne mangent plus. » Oui, ils ne mangent plus parce qu'ils ne sentent plus correctement. Et comme leur épithélium respiratoire est en quelque sorte détruit et ineffectif, du coup, ils ne sont pas capables de sentir l'odeur de l'aliment et n'ont pas tendance à aller vers lui. Donc, l'odeur de l'aliment est vraiment quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est travaillé grâce au type d'ingrédients qui sont utilisés, qui est travaillé avec une combinaison de certains arômes. Donc, il vous faut choisir un aliment appétant vers lequel les animaux vont et l'odeur va jouer un rôle important. L'autre élément important qui va conditionner l'appétence également, c'est la technologie associée à la croquette. Donc, vous êtes peut-être parfois demandé pourquoi est-ce qu'on a des croquettes de forme variée, etc.
faut bien savoir que ça, ce n'est pas pour faire plaisir aux consommateurs, en tout cas pas chez nous. La croquette, il y a tout un domaine particulier qui est associé. Certains animaux préféreront des formes particulières. Certains animaux préféreront des textures particulières. Certains animaux préféreront une densité particulière. Donc, forme, densité, texture sont trois éléments essentiels qui peuvent aider justement à favoriser, à rendre un aliment plus appétant pour l'animal. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une des choses qui est faite quand on crée un aliment, c'est que non seulement on s'attarde sur la composition nutritionnelle, puisqu'on veut leur donner le bon cocktail de nutriments pour justement répondre à leurs besoins spécifiques, mais on va également s'attarder sur l'aspect de la croquette, la forme de la croquette, l'odeur de l'aliment, puisque ce sont des petits éléments qui vont participer à booster l'appétence. Et on a besoin de ça en refuge parce qu'on veut des aliments vers lesquels les animaux se dirigent. On veut que les animaux mangent ces croquettes. Encore une fois, je peux vous donner la meilleure composition nutritionnelle possible. Si malheureusement les animaux ne la mangent pas, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, important pour vous de choisir un aliment appétant. Et parfois, en refuge, on me dit « Oui, mais comment on fait s'ils n'aiment pas ce type de croquettes, etc. ?» Alors, on peut avoir des variations individuelles. Je sais que certains refuges, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'avoir deux ou trois types d'aliments différents. Et s'ils ont des animaux avec l'appétit un peu capricieux, ils vont faire des essais avec des aliments différents. Pas toujours facile hein, en fonction de ce que vous avez de vos moyens, mais c'est une solution qui existe. D'autres refuges ont même ce qu'ils appellent ils vendent de l'aliment à leurs clients, aux particuliers, et ce qui leur permet d'avoir plus de flexibilité justement là-dedans, et ils peuvent essayer en fait plusieurs aliments éventuellement si on a des animaux qui sont en appétit un peu capricieux. Donc vous voyez, il y a des solutions. Mais clairement, vous avez besoin d'un aliment appétant qui va plaire à la majorité des animaux dans votre structure. L'autre priorité, c'est la sécurité digestive. Et beaucoup d'entre vous l'ont mentionné, effectivement, on a des problèmes de maladie du tube digestif, des problèmes de diarrhée, des problèmes de vomissement. C'est quelque chose qui se voit fréquemment en refuge. Et sur les chiens et les chats, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer assez fréquemment. Un point important, il faut bien garder à l'esprit que chiens et chats ne sont pas du tout comme l'être humain. Souvent, on se dit oui, mais bon, si on les change d'un aliment à l'autre, il n'y aura pas de conséquences, etc. C'est faux. Le transit digestif chez le chien et le chat est beaucoup plus court que ce qu'on va retrouver chez l'être humain. Ce qui veut dire que ce qu'on leur donne à manger va être digéré beaucoup plus vite. Et si c'est digéré beaucoup plus vite, il faut que ce soit le plus digestible possible pour qu'ils puissent en tirer un maximum. Et en plus, vu que c'est digéré beaucoup plus rapidement, ça va également influencer la qualité des selles et si on a affaire à des diarrhées ou pas. Il y a des différences d'un point de vue enzymatique. Donc, dans le tube digestif, je vous l'ai mentionné un peu avant, mais on a des enzymes, des protéines qui vont favoriser justement la digestion des nutriments et ces protéines, ces enzymes vont en fait varier en fonction de l'alimentation de l'animal. Du coup, si jamais vous changez d'aliment, on n'a pas encore eu ces modifications enzymatiques suffisantes et pour le coup, comme les modifications enzymatiques n'ont pas eu lieu, l'animal peut développer de la diarrhée et des vomissements suite à un changement trop rapide. Le chien et le chat ont besoin d'un temps d'adaptation au nouvel aliment pour qu'il n'y ait pas de troubles digestifs, contrairement à l'être humain, où chez l'être humain, c'est beaucoup plus facile parce que la population enzymatique est beaucoup plus variée. Et de la même façon, on a des différences dans la flore digestive. Alors, vous savez que dans nos tubes digestifs, on a des bactéries. On en a même beaucoup. Et ces bactéries vont participer justement au phénomène de digestion. Par contre, chez l'être humain, on en a 10 millions par gramme de tube digestif. Chez le chien et le chat, 10 000. Donc, les populations varient énormément. Et là encore, ça vous explique pourquoi des changements rapides d'aliments peuvent avoir des conséquences, pour le coup, sur la digestion. Donc, on a besoin d'aliments hautement digestibles. Et aujourd'hui, on a des nutriments dans les aliments qui, justement, vont aider à favoriser cette santé digestive. On a certains aliments contiennent ce qu'on appelle des lipides, des protéines hautement digestibles. On a des prébiotiques, on a du psyllium, qui est une fibre qui, là encore, va favoriser le transit intestinal. Donc, on a des aliments aujourd'hui dédiés à la santé digestive qui ont un profil haut de sécurité digestive. Et ça, c'est vraiment une priorité en refuge parce que les problèmes de digestion, les problèmes de diarrhée, vomissement sont fréquemment rencontrés. Et pour éviter ça,
encore une fois, on a besoin de l'aliment hautement digestible, je vous l'ai dit, porté sur la digestibilité, mais on a également besoin de l'utiliser correctement. Et généralement, pour ces chiens et ces chats qui arrivent au refuge, dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on fasse une transition alimentaire. C'est-à-dire qu'ils arrivent et que du coup, vous introduisez l'aliment que vous donnez à ces animaux de façon progressive sur 7 jours dans votre structure. Alors, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Il est bien évident que, et vous me confirmerez, souvent quand vous avez des chiens et des chats qui arrivent au refuge, ben, il n'est pas rare qu'on n'ait aucune idée de qu'est-ce qu'ils mangeaient avant. On ne sait pas quel aliment ils avaient, on ne sait pas quelle quantité d'aliments ils recevaient, quel type d'aliments ils recevaient. Donc, pour le coup, on peut se gratter la tête en se disant, là, on fait quoi? Comment faire une transition alimentaire si on n'a aucune idée de ce qu'ils mangeaient avant? Et c'est là où c'est pourquoi que dans ce cas-là, il faut toujours privilégier l'aliment le plus digestible possible que vous puissiez vous permettre d'avoir. Donc, je sais par exemple que certains refuges ont deux types d'aliments. Ils ont un aliment très, très digestible, le plus digestible qu'ils peuvent se permettre. Et en fait, quand les chiens et les chats arrivent, ils vont commencer à les nourrir avec cet aliment hautement digestible. Parce que comme c'est un aliment hautement digestible, pour le coup, ça minimise fortement les risques de voir se développer ces problèmes digestifs. Et une fois que les animaux sont en quelque sorte stabilisés, et ben là, ils vont faire une transition alimentaire, comme ce qui est décrit sur la diapositive que vous voyez ici, pour les passer sur l'aliment standard avec lequel ils nourrissent les chiens et les chats dans leur refuge. Donc là encore, on a des possibilités, mais ça vous explique pourquoi. Clairement, il est important d'avoir un aliment le plus digestible possible. Alors parfois, les gens nous disent « oui, mais ça coûte plus cher ». Peut-être, mais là encore une fois, il faut voir le tableau général. Si au final, vous arrivez à diminuer les risques de problèmes digestifs, de diarrhée, de vomissements, ça vous fait diminuer vos frais vétérinaires à la fin du mois. Ce qui est vraiment important dans des structures comme les refuges, puisque du coup, ça vous permet de dégager, entre guillemets, une certaine de l'argent que vous pourrez utiliser pour d'autres choses comme des programmes d'adoption, etc. Donc encore une fois, il faut toujours avoir à l'esprit une vision d'ensemble de ce qui peut se passer dans le refuge. Et digestibilité, c'est vraiment quelque chose d'important à considérer dans ce genre de cas. Ah, alors je vous ai mis cette photo, ça doit être quelque chose d'assez classique au Québec. C'était lors d'une de mes visites sur le terrain. Mais comme je vous l'ai dit, je visite souvent des structures avec nos représentants et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses sur les populations de refuges. Et justement, je voudrais vous parler d'un cas que j'ai eu il y a quelques années de ça. Mais avant tout, j'ai une autre petite question pour vous. Alors, retournons ici. Hop. Donc, dites-moi, dans votre refuge, comment nourrissez-vous les animaux? Vous leur donnez, vous les nourrissez, les chats, pardon. Vous les nourrissez uniquement avec des distributeurs automatiques. À tous les chats, vous remplissez la gamelle à ras-bord tous les jours. Vous leur donnez à tous la même quantité d'aliments chaque jour. Chaque jour, chaque chat reçoit la même quantité d'aliments. Ou au contraire, vous adaptez les quantités d'aliments à l'individu. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous faites en refuge? Est-ce que vous utilisez des distributeurs automatiques pour nourrir vos chats? Est-ce que vous remplissez la gamelle à ras-bord chaque jour? Est-ce que chaque chat reçoit la même quantité d'aliments ou est-ce que vous adaptez les quantités par individu? Là encore, sachez qu'hier, quand on a fait ces webinaires pour les zones anglophones, il y avait toujours des réponses pour chaque catégorie. Encore une fois, il y a beaucoup de variations d'un refuge à l'autre. Dites-moi ce que vous faites. Alors, voyons les réponses un petit peu. Donc, vous pouvez continuer à répondre si vous n'avez pas encore répondu, mais la plupart d'entre vous adaptent les quantités distribuées par individu. Super! Donc, vous voyez qu'il y a d'autres options que d'autres personnes font différemment. Et vous voyez même les trucs variés en temps réel, impressionnant. Mais effectivement, moi j'ai une grande préférence pour les quantités, adapter les quantités par individu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors retournons à ma présentation. Hop. Donc il y a quelques années, j'avais visité un refuge en Europe. Et quand j'étais arrivé, je vous avais dit, au début de ma carrière, j'avais toujours pensé que tous les chiens et les chats qu'on trouvait en refuge étaient des animaux plutôt maigres, plutôt jeunes. Et quand j'ai visité cette structure, tous les chats ressemblaient à ça. Légèrement surpoids, n'est-il pas? Donc, je vous avoue que quand j'avais vu ça, j'étais un peu surpris et j'ai posé la question à la personne en charge du refuge. Mais comment ça se fait que tous les chats que je vois dans votre structure soient plutôt un peu en état d'obésité comme ça? Et la réponse qu'elle m'avait faite à ce moment-là, c'est « vous savez, l'aliment doit être trop riche, ils l'aiment beaucoup, ils en mangent beaucoup, et du coup, comme malheureusement en ce moment,
les temps de séjour sont rallongés parce qu'on n'a pas beaucoup d'adoptions, ça explique certainement ce que vous voyez. C'était son explication. Et une des choses qu'on fait souvent dans vos structures quand on les visite, on visite les refuges. Je suis certainement une des seules personnes qui s'amuse à prendre en photo les murs, les toits, les cages, etc., plus que les animaux. Mais ce sont des visites où on apprend toujours beaucoup de choses d'un point de vue zootechnique. Et lors de cette visite de refuge, en fait, voilà ce que j'ai vu. Ces chats, ils étaient tous nourris avec des distributeurs automatiques. Et en fait, la personne qui s'occupait du refuge me disait, oui, on les utilise parce qu'on n'a pas beaucoup de volontaires. On est tout seul avec nos petits bras à essayer de faire un maximum pour ces structures. Ça nous prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que d'un point de vue alimentation, c'est plus simple pour nous d'utiliser ces distributeurs automatiques. Alors encore une fois, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que vous le savez, en refuge, on fait souvent avec ce qu'on a. Ce n'est pas toujours facile de faire du mieux qu'on peut quand on a très peu de moyens. Mais là, dans ce cas-là, le problème qu'il y avait certainement, c'est qu'on part toujours du principe, et beaucoup, beaucoup de gens me disent ça, mais le chat, en fait, il sait combien il doit manger par jour. Il a un comportement alimentaire différent du chien. Il va prendre plusieurs petits repas par jour, et c'est vrai, il prend 12 à 20 repas par jour, mais il va limiter sa consommation d'aliments. En fait, ça, c'est pas vrai pour tous les chats. Certains chats, malheureusement, ils vont consommer jusqu'à plus en pouvoir. Plus vous leur en donnez, plus ils mangent. Et du coup, plus ils mangent, plus il y a un risque de les voir développer de l'obésité. Et vous comprenez bien que quand on utilise ce genre de distributeur, on n'a aucun contrôle réel sur la quantité d'aliments ingérés par l'animal au quotidien. Donc, encore une fois, je peux comprendre qu'on les utilise quand, malheureusement, on n'a pas d'autre façon de procéder. Mais si les distributeurs automatiques sont peut-être des bonnes alternatives pour les propriétaires de chiens et de chats surtout, je ne pense pas que ce soit une alternative vers laquelle il faut nécessairement se tourner en refuge parce que malheureusement, pour le coup, vous êtes incapable de contrôler la quantité d'aliments. Et ça, même chez les chats, rappelez-vous, certains sont incapables de se contrôler. Et par exemple, regardez ce petit carlin, là, ce petit pug, comme vous dites au Québec. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va être capable de manger toutes ces croquettes qu'on lui a distribuées? Ce sont des choses qu'on voit en refuge, hein, souvent quand je visite. Et encore une fois, c'est parce qu'on dit, ces pauvres animaux, etc., on va leur en donner un peu plus, ça va leur faire du bien de manger un peu plus, ils vont se sentir mieux. Le problème, c'est que, encore une fois, quand on fait ça, qu'on leur en donne beaucoup trop, il y a des conséquences. Donc, non seulement il est important d'être constant en refuge sur le type d'aliment que vous utilisez, mais il faut également être constant sur la façon dont vous utilisez l'aliment. Parce que si vous en donnez trop, le problème, c'est que ça conduit à du gaspillage. Et que du coup, l'animal ne va peut-être pas forcément tout consommer, vous allez jeter énormément d'aliments, et ça, ça a des répercussions, encore une fois, sur votre budget. Si, pour le coup, votre budget alimentaire peut être beaucoup plus important, parce que vous en donnez trop et vous en gaspillez beaucoup. Donc, contrôler les quantités que vous donnez au quotidien va vous aider du coup à mieux rationner, à mieux gérer votre utilisation de l'aliment et au final, ça va vous aider à gagner de l'argent sur votre budget parce que vous utilisez de façon optimale l'aliment en donnant juste les quantités nécessaires pour l'animal. Si vous en donnez trop, ça peut favoriser l'apparition de problèmes digestifs. Alors, vous imaginez que le petit pug, là, s'il mange tout, vous pouvez imaginer qu'il va sentir son estomac très, très, très lourd et qu'il n'est pas impossible qu'il vomisse. Certains chiens vont développer des diarrhées de surconsommation s'ils consomment trop. Donc, là encore, problème digestif, si ceci malheureusement dégénère, ça va augmenter vos frais vétérinaires. D'où, là encore, une raison pour se concentrer sur le rationnement individuel des animaux. Et bien évidemment, sur le long terme, ça favorise l'apparition de surpoids. Même si vous donnez un peu trop quotidiennement, le surpoids, l'obésité, ce n'est pas quelque chose qui survient au milieu de la nuit. Ça s'installe sur une durée, sur le long terme, sur plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, pour le coup, contrôler les quantités que vous distribuez aux animaux vont clairement aider à contrôler ce problème de surpoids. Donc, vous voyez que si vous êtes constant sur la façon dont vous utilisez l'aliment, si vous rationnez l'aliment de façon individuelle, vous arriverez à contrôler ces choses et au final, ça permettra pour vous de dégager du budget dans votre structure pour faire autre chose. Donc, il est important de suivre un plan d'alimentation adapté. Et là, pour le coup, j'aimerais vous souligner une chose qui est importante. Donc, ce que je vous montre là, ce sont
tableau de rationnement que vous trouverez sur nos stacks de produits pro. Donc le petit mot pro a toute son importance puisque ces tableaux de rationnement que vous avez là, eh bien, sachez que sur les produits pro, ils sont différents des tableaux de rationnement que vous trouverez sur l'équivalent de ces produits qui sont vendus en magasin. Pourquoi? Parce qu'on sait que les animaux qui sont dans des chenils, dans des châteries, dans des structures comme les vôtres en refuge, ben ils ont des besoins énergétiques augmentés, accrus par rapport aux animaux qui vivent chez leurs propriétaires. Donc, pour le coup, on prend en compte cette considération dans nos tableaux de rationnement et c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit parce que pour le coup, ces tableaux de rationnement constituent toujours un point de départ. Moi, je considère toujours aux gens, conseille toujours aux gens quand ils veulent savoir combien d'aliments ils doivent donner à leur chien, à leur chat au départ, de commencer avec ces tableaux de rationnement. Mais pour le coup, si quand votre animal va être adopté, ben vous devrez dire au propriétaire, voilà, on lui donne, nous on lui donnait tant à manger, mais parce qu'il est dans un environnement particulier, où il est plus actif, où il est soumis à plus de stress, etc. Donc tout ça augmente ses besoins énergétiques. Quand il sera chez vous, il n'aura plus toutes ces contraintes, il sera peut-être un peu moins actif, et pour le coup, il faudra réadapter la quantité d'aliments que vous lui donnez, encore une fois, en fonction du tableau de rationnement. Donc gardez ça à l'esprit parce que s'ils le nourrissent de la même façon quand ils quittent le refuge, là encore, il y a des chances qu'ils reçoivent un peu trop d'énergie et que sur le long terme, ça favorise l'apparition de l'obésité parce que les besoins énergétiques dans vos structures sont différents. Donc toujours suivre ces recommandations comme point de départ. Mais on va voir qu'après, on peut essayer de les rendre un peu plus précises. Et ça, c'est vrai pour les chiens, mais c'est aussi vrai pour les chats. Alors c'est sûr, les chats ont tendance à prendre plusieurs petits repas. Ce n'est pas comme un labrador où vous allez distribuer la gamelle et vous comptez jusqu'à 2, allez, 10, et il n'y a plus rien dans la gamelle parce qu'il a tout avalé. Ils vont prendre plusieurs petits repas par jour, nos chats. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont ce comportement alimentaire différent qu'il faut forcément remplir la gamelle à ras-bord et du coup le laisser contrôler, entre guillemets, lui-même sa prise d'aliments. Rappelez-vous que certains chats ne sauront pas faire. Donc du coup, même si vous laissez l'aliment à disposition, contrôlez la quantité d'aliments que vous leur donnez au quotidien, puisque là encore, ça vous permettra de mieux contrôler votre alimentation et ça permettra à l'animal également d'éviter tous ces problèmes de digestifs et éventuellement associés, ces problèmes de surpoids. Et faites attention à ce que j'appelle l'erreur de la tasse. Alors, je le mentionne souvent, ça, parce que quand je viens de France, hein, c'est difficile de cacher ça avec mon accent français, comme vous le dites, mais quand je suis arrivé au Canada, en Amérique du Nord, une des questions que j'avais souvent, c'est hey, docteur, combien de tasses d'aliments je dois donner à mon chien par jour? Combien de tasses je dois donner à mon chat par jour? Eh bien, j'avoue qu'au début, je ne savais vraiment pas quoi répondre parce que la tasse n'était pas forcément une unité. Ben, c'est pas forcément une unité qu'on utilise en Europe. Jamais entendu parler. Donc, je vous rassure, depuis, j'ai appris, je me suis renseigné. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens prennent la tasse comme une unité de mesure. Cependant, faites attention, la tasse, ce n'est pas une unité de mesure. Ça représente en fait un volume donné, certes, mais ça ne vous dira jamais. Ce n'est pas une unité standardisée pour vous dire combien d'aliments il faut donner à un animal. Je vous donne un exemple. J'avais vu dans un refuge en Europe, à un moment, ils n'avaient plus d'aliments adultes. Donc, ils se sont dit, ah, bah, tiens, on a de l'aliment chiot. On va donner, alors, en Europe, c'est pas en Europe, pardon, parce qu'en Europe, on n'utilise pas les tasses, mais du coup, ils n'avaient plus d'aliments adultes. Ils voulaient donner un aliment chiot. Donc, ils ont dit, bah, on va donner le même nombre de tasses à ces adultes, mais en mettant de l'aliment chiot à la place. Le problème, c'est que l'aliment chiot est beaucoup plus énergétique, contient beaucoup plus d'énergie. Les teneurs en nutriments sont très très différentes. Ça peut être le même volume. Par contre, la quantité énergétique distribuée n'est pas la même. Et si on fait ça trop longtemps, ben ça peut favoriser pour le coup l'apparition de problèmes de surpoids chez certains de ces individus. Donc attention à ça. Gardez à l'esprit que la tasse que vous utilisez, ben en fait, le volume d'aliments qu'il y a dedans représente une certaine quantité d'énergie, une certaine quantité de nutriments. Et ça va varier d'un aliment à l'autre. Donc attention, quand vous utilisez vos tasses, eh bien, utilisez-les en fonction des recommandations qui sont faites pour cet aliment. N'ayez pas de valeur standard, de quantité standard que vous direz, ben, chaque chat, par exemple, doit avoir deux tasses. Parce que ben, si vous changez d'aliment, ben, ce n'est peut-être pas deux tasses dont il a besoin, parce que les concentrations énergétiques vont varier, etc. Faites également attention au type de tasse que vous utilisez.
J'avais vu ça il y a 2 ans dans une conférence vétérinaire. On m'avait en fait montré qu'il existe plein de tasses différentes que vous pouvez acheter. Mais en fait, en fonction des tasses, vous pouvez avoir jusqu'à 20 grammes de différence dans ce que vous distribuez. 20 grammes pour un petit chien, c'est énorme. Donc si jamais vous utilisez une tasse différente, enfin si vous, jamais vous devez utiliser un aliment, utilisez la tasse qui va avec l'aliment, la tasse qui est faite pour cet aliment. Parce que pour le coup, vous arriverez beaucoup mieux à contrôler la quantité d'aliments distribués. Dans le meilleur des mondes, on utiliserait une balance, on pèserait chaque quantité d'aliments qu'on donnerait, mais ça, c'est quand même difficile à faire. Mais au moins, ayez la tasse qui est recommandée pour cet aliment, parce que pour le coup, vous serez beaucoup plus précis. Si on prend n'importe quel type de tasse, on peut avoir faire des erreurs assez facilement sur les quantités distribuées. Et une chose importante également, c'est vraiment surveiller, surveiller, surveiller. Je vous ai mentionné l'importance des rondes quotidiennes en refuge. Il est important de voir ces animaux au quotidien et il est également important d'inclure dans ces rondes les paramètres essentiels, je dirais, liés à l'alimentation, qui sont la prise alimentaire. Assurez-vous qu'il mange, je vous l'ai dit au début, mais souvent un arrêt de la prise alimentaire peut être un signe avant-coureur de maladie. Et les autres choses que vous pouvez rajouter, c'est une prise de prendre le poids de l'animal, peser l'animal une fois par semaine et également mesurer son état d'embonpoint, ce qu'on appelle le body score condition, l'état corporel. Alors là, je vous avais une des échelles qu'on utilise aujourd'hui, mais en faisant ces mesures de façon quotidienne, pardon, au moins une fois par semaine, vous arriverez à juger bah, si ce que vous faites est correct, si vous avez besoin de réajuster la quantité d'aliments qu'on donne, si vous avez besoin de l'augmenter, de la diminuer. Je dis toujours, comme vous l'avez dit avant, hein, il faut toujours démarrer avec les tableaux de rationnement. Et puis, les besoins énergétiques des animaux vont varier par individu. Certains sont plus nerveux, d'autres sont plus anxieux, d'autres sont plus calmes. Donc, du coup, en faisant ce suivi à la semaine, vous arriverez pour le coup à vous dire, bah, OK, on doit augmenter, on doit mettre un peu plus d'aliments parce que visiblement, il perd un peu de poids. C'est des choses qu'on voit en refuge parfois. Et on a l'impression qu'ils mangent correctement, mais ils perdent du poids. Ou au contraire, bah, ils prennent trop de poids, on va limiter la quantité d'aliments. Donc, et ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez un suivi régulier. Donc, n'hésitez pas à le mettre en place parce que ça, c'est là encore une des façons d'optimiser votre gestion de la nutrition. Et alors, en refuge, on voit des animaux obèses, on sait les problèmes qui sont liés à l'obésité, mais parfois, vous verrez également arriver ces animaux-là. Très, très, très maigres, très, très, très maigres, presque émaciés. Et là, pour le coup, c'est la nature humaine. La première chose qu'on veut faire, c'est on veut leur donner le plus possible à manger en disant, oh les pauvres, ils doivent mourir de faim, il faut qu'on leur donne le plus possible à manger. Mais attention, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le refeeding syndrome. J'ai été incapable de traduire ça en français, j'avoue. Mais ces animaux très très maigres, émaciés, souvent ce qui s'est passé, c'est que du coup, leur métabolisme a dû s'adapter à cette condition-là. Et on a eu des modifications au niveau de la composition de leur sang, des modifications au niveau de ce qu'on appelle les électrolytes, ces ions qui circulent dans le sang. Si d'un coup, vous réintroduisez l'aliment trop rapidement, en trop grande quantité, ben, ces modifications risquent malheureusement, l'organisme n'a pas le temps de se remettre de façon correcte. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des conséquences, notamment qui peuvent aller jusqu'à la mort de l'animal. Donc dans ces cas-là, il est important de réintroduire l'aliment de façon progressive. Et dans les notes que je vais vous envoyer après cette présentation, vous aurez un petit lien vers un poste où justement on discute ce refeeding syndrome. Je pense que ce sont des cas qu'on rencontre essentiellement en refuge. Donc gardez ça bien à l'esprit pour ces animaux très maigres. Il ne faut pas tout de suite réintroduire l'aliment en grande quantité, etc. Il faut y aller à petits pas, parfois sur 10-15 jours, avant de les nourrir avec la ration normale qu'ils devraient avoir, juste pour être sûr que le métabolisme se remette en place et soit capable de correctement assimiler ces nutriments. Donc gardez ça à l'esprit, parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on rencontre en refuge. Alors regardez ce chat-là, il a l'air un peu triste. On a mentionné que l'appétence est quelque chose d'important. Donc il y a l'appétence de l'aliment est vraiment essentielle. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la prise d'aliments dans le refuge, sur lesquels on doit se concentrer également, sur lesquels on doit travailler pour optimiser l'effet positif de la nutrition. Donc, est-ce que vous pouvez me dire sur le chat, qu'est-ce qui, à votre avis, va influencer la prise d'aliments de ces chats et de ces chiens en refuge? Sur quoi on doit travailler pour justement
faire en sorte qu'il mange correctement? Sur quel autre facteur doit-on se concentrer? L'aliment est important, mais en refuge, on a d'autres secteurs sur lesquels on doit travailler pour s'assurer qu'ils obtiennent le maximum de leur aliment. Donc, dites-moi sur le chat. Alors quelqu'un me dit diminuer le stress et l'anxiété. Tout à fait d'accord avec ça, c'est vraiment un paramètre important, surtout pour le chat. Quoi d'autre? Alors quelqu'un me dit le bruit, oui, ça rejoint le stress également. Je vois que quelqu'un d'autre me pose la température et l'humidité, l'activité, tout ça, oui, effectivement, ce sont des choses qui peuvent influencer effectivement la prise d'aliments de nos animaux, et c'est des choses sur lesquelles on doit également se concentrer en refuge. Donc, une des choses importantes, certains d'entre vous ont mentionné l'humidité, la température, bah, effectivement, le stockage de l'aliment va jouer un rôle important. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, nos animaux font principalement, décident principalement qu'un aliment leur plaît ou pas sur la base de l'odeur. Vous voyez le nombre de bourgeons gustatifs qu'ils ont, ces chiens et ces chats, c'est très 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 peu par rapport à nous, êtres humains, qui en avons quasiment 10 fois plus, 10 000 quasiment, donc vous voyez, c'est 10 fois plus que le chien et presque 20 fois plus que le chat. Donc, l'appétence est principalement liée à l'odeur de l'aliment, et le stockage, eh ben, ça peut avoir une influence sur l'odeur. Parce que quand les croquettes sont en fait recouvertes de lipides, et ces lipides, quand ils sont exposés à l'oxygène de l'air, ils peuvent s'oxyder, c'est le phénomène de rentiment. Et ce problème d'oxydation, c'est que comme les lipides sont altérés, du coup, ça va diminuer l'appétence, ça va diminuer l'odeur, et pour le coup, ça peut avoir des conséquences. Chez le chat, ils vont se détourner de l'aliment, du coup, l'odeur ne leur plaît plus du tout. Et en plus de ça, chez le chien, alors encore une fois, si vous avez affaire à un labrador aspirateur à croquettes, il va peut-être manger la gamelle, mais ça peut conduire à des problèmes de diarrhée, des problèmes de vomissement, tout simplement parce que là encore, l'aliment a été altéré. Et c'est pour ça que le stockage, la façon dont vous stockez vos aliments est vraiment cruciale. Donc aujourd'hui, nos recommandations, c'est de garder l'aliment dans le sac, d'ouvrir le sac et de mettre ce sac dans un conteneur en plastique. Alors c'est important ça parce que souvent quand je vais en refuge, et encore une fois, c'est quelque chose que je peux éventuellement comprendre. Vous êtes débordé, vous passez votre temps à courir à droite, à gauche, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais parfois, on arrive et au milieu des chatteries, au milieu des chenilles, on a les sacs de nourriture qui sont grands ouverts avec la nourriture exposée à l'air, exposée aux contaminants, exposée aux insectes, etc. Quand vous faites ce que je viens de vous dire, ça vous permet d'ajouter deux barrières pour protéger ces croquettes. Et comme vous avez deux barrières de protection, ça va préserver leur fraîcheur, leur qualité. Donc, c'est vraiment des petits trucs tout simples qui peuvent faire une grosse, grosse différence parce que plus l'aliment est exposé à l'air, plus il y a de chances qu'il rentisse et plus il y a de chances que l'animal puisse se détourner éventuellement de l'aliment parce qu'il ne le trouve plus appétant. Certains d'entre vous ont mentionné la température. Ça, c'est important parce que sachez que, notamment, hier, quelqu'un me posait la question, qu'est-ce qui se passe si on met l'aliment dans un refuge, dans un local où on peut avoir parfois des températures en dessous de zéro? Ça peut influencer l'appétence parce que, en fait, ça va diminuer l'odeur. Quand vous réfrigérez quelque chose, quand vous congelez quelque chose, ça va généralement diminuer l'odeur de l'aliment. Et ça peut poser problème pour les chiens et les chats parce que, rappelez-vous, ils décident s'ils aiment l'aliment ou pas sur la base de l'odeur. Une chose à également ne pas oublier, pour ces bacs-là que vous utilisez, ces bacs en plastique, n'oubliez pas de les nettoyer et désinfecter de façon régulière. Je répète toujours ça, mais j'avais vu il y a quelques années dans une structure, en fait, dès qu'on arrivait à la fin du bac, en fait, ils vidaient les croquettes dans un bac. Alors, il y avait déjà une protection, mais quand on arrivait à la fin du bac, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils n'attendaient pas que le bac soit complètement vide. Ils reprenaient un autre sac et ils revidaient l'autre sac par-dessus. Ce qui fait qu'au fond, on avait des vieilles croquettes qui avaient parfois plusieurs années. Et là, on voyait se développer parfois des moisissures, des champignons, etc., qui bien évidemment pouvaient contaminer les croquettes du dessus. Donc, important, laisser les croquettes dans le sac et entre chaque sac, nettoyer, désinfecter les bacs, puisque là aussi, ça va participer à l'hygiène alimentaire et à la protection de l'aliment. L'autre point également à garder en tête par rapport à cette oxydation, c'est quand retirer les gamelles.
Quand vous donnez un aliment sec aux chiens et aux chats, on recommande généralement de retirer tout aliment qui a été distribué 24 heures après. C'est-à-dire que tout aliment distribué qui n'a pas été consommé 24 heures après sa distribution devrait être retiré. Parce que là encore, il y a plus de risques qu'il ait été contaminé par les contaminants de l'environnement, des bactéries, etc. Il y a plus de chances qu'il soit oxydé. Donc 24 heures après, s'il n'a pas été consommé, on élimine. Ça, c'est pour l'aliment sec. Pour de l'aliment humide, type canne, type aliment réhumidifié, etc., s'il n'a pas été consommé dans les 2 heures qui suivent sa distribution, il devrait être retiré. C'est humide, il y a plus d'eau. Plus il y a d'eau, plus ça, ça aide les bactéries à proliférer. Donc si dans les 2 heures qu'il n'a pas été consommé, il y en a toujours, dans les 2 heures suivant sa distribution, pardon, il y en a toujours, retirez-le. Et autre chose sur laquelle il faut se concentrer, vous savez, notamment pour les chats, vous savez que chez les chats, un des points essentiels sur lesquels il faut se concentrer, c'est la gestion du stress. On sait que les chats, quand ils arrivent en refuge, ils sont très stressés, et que dès qu'ils sont stressés, ben, on a plein de conséquences, ils tombent malades plus souvent, ils ont tendance à moins manger, ce qui automatiquement les rend plus fragiles et plus prédisposés à être malades. Donc, les chats sont des animaux territoriaux. Ils aiment leur territorialité, ils aiment que les choses soient bien organisées dans leur environnement. Prenez avantage de ça, utilisez cette particularité à votre avantage. Vous voyez par exemple qu'en fonction de comment vous disposez les différents éléments au sein de la cage pour chat ou au sein de ce qu'on appelle des condos pour chat aujourd'hui, ça peut influencer leur prise alimentaire. Si la gamelle d'aliments est juste en face de la litière, eh ben, le chat il n'aime pas manger dans ses toilettes. Donc automatiquement, il aura tendance à ne pas aller vers l'aliment. Il risque de refuser de manger et comme il refuse de manger parce qu'il est stressé, pour le coup, il a plus de chances de tomber malade. Donc organiser ces différents éléments et penser en 3D plutôt qu'en 2D. Certains chats aiment manger sur les étagères, certains chats aiment manger sur le plancher. Quand vous avez notamment une pièce commune pour différents chats, pour le coup, n'hésitez pas à avoir plusieurs stations d'alimentation placées à différents endroits, à différents niveaux dans cette salle-là, parce que certains chats aimeront préféreront peut-être manger sur une étagère ou sur un arbre à chat que manger par terre. Donc pour le coup, si vous leur offrez plus de possibilités, vous favoriserez leur prise alimentaire tout en justement favorisant leur activité et en limitant leur stress. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de techniques d'enrichissement du milieu pour lutter contre le stress en refuge. Sachez que ces techniques d'enrichissement du milieu peuvent également être utilisées pour faire ce qu'on appelle de l'enrichissement nutritionnel. Certains d'entre vous utilisent peut-être ce type de puzzle nutritionnel pour justement stimuler les chats, stimuler les chiens. Alors, on m'a dit que chez les chats, on pouvait les utiliser, mais que malheureusement, certains chats, ils n'étaient pas très doués et qu'ils n'apprenaient pas bien à s'en servir. Donc, surveillez-les bien. Mais le fait est que ce sont des techniques qui peuvent être utilisées. Et du coup, ça va les stimuler. En les stimulant, ils s'ennuient moins parce que souvent, certains d'entre vous l'ont décrit, on a des chats qui mangent trop. Ils mangent trop tout simplement parce qu'ils s'ennuient. Et comme ils s'ennuient, si on arrive à les stimuler, bah, ils s'ennuieront moins et du coup, ils réguleront mieux leur prise alimentaire. Chez le chien, ces aliments sont parfois utilisés avec un système comme ce petit truc bleu que vous voyez là pour diminuer en fait le comportement les aboiements au sein des refuges. Ce qui est important parce que plus les chiens aboient, plus ça génère du stress chez les chiens et chez les chats qui sont à côté d'eux. Donc, on peut utiliser l'aliment pour diminuer le stress également. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a mille et une alternatives. On pourrait faire juste une conférence sur les techniques d'enrichissement nutritionnel. Mais je souligne juste leur importance parce qu'on peut utiliser cette nutrition pour promouvoir la santé, justement en l'utilisant pour diminuer le stress de nos animaux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment 3 points essentiels à retenir. En ce qui concerne l'alimentation en refuge, soyez constant. Restez constant sur le type d'aliment que vous utilisez. Essayez d'être constant sur la façon dont vous l'utilisez. Encore une fois, c'est vraiment capital parce que si vous avez le bon aliment et que vous l'utilisez correctement, vous verrez des résultats clairs sur la santé de vos chiens et de vos chats. Surveillez. Lorsque vous faites ces rondes quotidiennes, n'oubliez pas de mentionner aux personnes qui sont en charge de ces rondes de contrôler le comportement alimentaire. Est-ce que les animaux mangent ? Est-ce qu'ils en laissent dans leur gamelle, etc.
mesurer leur poids une fois par semaine, regarder leur état corporel une fois par semaine, sont des choses qui peuvent sembler souvent se dire oui, mais c'est normal, c'est évident, on va contrôler ça. Quand on a des techniciennes en santé vétérinaire, en santé animale qui font ces rondes, c'est sûr, c'est des choses auxquelles elles vont penser tout de suite parce que c'est des choses auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Mais beaucoup de nos volontaires ne sont pas forcément très familiers des chiens et des chats, sont des passionnés avant tout, et il est important de bien les briefer sur ce qu'ils doivent contrôler, parce que ce sont des choses qu'on a tendance à facilement oublier, surtout si on n'est pas habitué à s'occuper de chiens et de chats au quotidien. Donc pensez bien à le mentionner aux personnes en charge des rondes. Et pour ces volontaires et pour le staff, là encore, c'est jamais du temps perdu de s'asseoir avec eux et de leur expliquer l'importance de bien nourrir un chien et un chat. De bien leur dire que c'est bien d'avoir le bon aliment, mais qu'en plus, il faut l'utiliser correctement. De mentionner ces situations un peu particulières, comme les chiots chatons nouveau-nés, les chiots chatons au sevrage, les animaux stérilisés, le refeeding syndrome. Donc, jamais une perte de temps de leur enseigner les bases, parce qu'au final, souvent, vous allez leur donner, ce sont eux qui vont être en charge de nourrir ces chiens et ces chats, et il faut qu'ils aient bien conscience des conséquences et de l'importance de ce geste qui est fait au quotidien. Donc voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté pendant 1 heure et 11 minutes. Je progresse, j'ai gagné 15 minutes sur d'habitude. Donc, mais en tout cas, merci d'avoir participé à cette formation. Comme toujours, un plaisir. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a été bénéfique. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dès maintenant à nous les poser sur notre chat, puisqu'on va faire une session de questions et réponses si vous en avez. Je vous invite également, quand vous quitterez ce webinar, s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir notre questionnaire de satisfaction. C'est quelque chose d'important pour nous, puisque ces webinars sont vraiment une façon aujourd'hui de partager de la connaissance avec vous. Et votre avis compte énormément pour que nous puissions les améliorer dans le futur. C'était aujourd'hui un des derniers webinars que nous ferons pour les refuges en 2015. La saison 2016 est en préparation, donc faites-nous part de vos commentaires, etc., parce que c'est vraiment important pour qu'on vous propose des choses qui répondent à vos attentes pour l'année prochaine. Donc, merci encore d'avoir participé à la formation cet après-midi, et je vous retrouve tout de suite sur le chat. Très bon après-midi à tous et à bientôt. Au revoir.